Bonjour à tous, c'est Vania et on se retrouve pour un épisode 35 sur Soviet République. Alors, ce que l'on va faire dans cet épisode, c'est s'occuper un petit peu de Vaniagrad. Enfin, alors, pour information, dans l'épisode précédent, on avait fait les sémaphores. Il semblerait que j'ai laissé tourner un tout petit peu hors caméra, du coup, ça fonctionne. Pas eu de soucis au niveau de la double boucle. Donc pour l'instant, je croise les doigts. Hein. Donc voilà. Les routes sont terminées. Enfin, la double voie jusqu'au comptoir de Sébastopol est terminée. J'ai dit à Méga de commencer celle-ci en asphalte. Voilà, comme ça on va faire celle-ci. Ici, pour gagner un tout petit peu du temps. Donc ici on a la mairie. On voit qu'il y a 365 personnes dans la ville qui attendent d'avoir un logement. Donc peut-être que des city hall j'en créerai dans les autres villes parce qu'elles n'y sont pas et ça permet de voir les besoins de la ville ainsi que voilà l'éducation, le nombre de populations universitaires. Donc c'est assez intéressant. On les mettra en place sur Petrograd et sur Zinok. Petrograd, donc on a notre usine de pétrochimie là, qui est en train d'être terminée plus ou moins. Alors j'ai eu un souci. J'avais oublié de mettre mes stockages, de les différencier. Donc ici à droite on a les stockages pour le bitume et ici pour le carburant. Donc ici on peut voir que ça remplit. Et ici, on a enfin du bitume. Alors, du coup, ça s'était mélangé. J'avais des stockages avec du bitume là, du carburant là, du bitume là. Du coup, j'ai dû tout supprimer. Donc, c'est des ressources qui sont parties un peu en l'air à cause d'une erreur basique. Donc, faites attention à ça si vous voulez différencier votre réseau, surtout au niveau de la raffinerie. Du coup, ça m'a consommé quand même pas mal de pétrole. Voilà, on arrive au deuxième stockage de pétrole là qui commence à se vider. Sachant que j'ai 4 trains qui font des allers-retours assez régulièrement, donc ça risque de s'épuiser assez rapidement. Bon, le temps que ces stockages-là soient pleins, une fois que ça sera fait, je pense que ça repartira sur un stockage plus ou moins grand. Et puis on attendra avant d'exporter le carburant, parce que le carburant se vend bien mieux que le pétrole brut. Pétrole brut c'est 61 la tonne et le carburant c'est 228, c'est bien plus, et le bitume c'est 365. Peut-être que je ferai un derrick pour le mettre ici ou peut-être sur celui-ci, je verrai. Quoique ça risque de faire long, déjà ici c'était bien assez long, c'était compliqué, on verra, peut-être que. Ouais, je sais pas comment je ferai, mais on trouvera une solution. Bon, sur Petrograd, ça a l'air de se passer, hein. Il y a encore quelques petites routes en construction. Mais en soi, ça fonctionne. Les trolleybus, il y a du monde. Alors, c'est pas encore full, hein. On agrandira la ville, il reste encore beaucoup d'espace, hein, juste ici. Il y a le QG à construire. Mais c'est pas pour l'instant la priorité. La priorité, ça va être un petit peu Vaniagrad. Alors, on va y retourner. On avait fait notre setup d'usine à tisser et d'usine de tissus donc, et de vêtements. Ici, hors caméra, j'avais commencé à faire un petit quartier voilà, avec quelques immeubles, des écoles. Des bars, des crèches. J'avais vu un besoin et une nécessité au niveau des infrastructures sportives. Et j'ai mis un grand centre commercial et un cinéma enfin. Donc voilà. Ça, je l'ai fait pour voir, mais ça me semble plutôt correct comme premier quartier. Et on va continuer de toute manière. On va faire le réseau de trolleybus parce que j'ai envie d'en poser un. Mais avant ça, je voulais tester quelque chose, c'est les voies à sens unique.
Ici, par exemple. Voilà. Impeccable. Comme ça, on finalise un petit peu notre quatre voies. C'est vilain ici. C'est pas grave. Ici c'est à double voie, s'ils arrivent ici ils peuvent partir là, tout droit ou sur le côté gauche, il n'y a pas de souci. Par contre, ici ils repartent directement vers là. Ça veut dire que les camions qui devront décharger sur cet entrepôt là devront partir ici, faire une boucle et revenir. Hop. Mais bon, il n'y aura pas trop de soucis normalement. Et ça sera la même chose ici. Par contre, là, ça restera en voie en double voie. Ça sera pas de la voie unique pour l'instant. Alors, je pense qu'on devrait se créer des infrastructures déjà un peu plus grandes. Ça, on va démolir. Bon, il y avait 41 tonnes de briques, mais c'est pas bien grave. On en produit assez. Et on va se construire. Alors, hop. Où sont mes stockages? Ils sont là. Non, ils sont pas là. Ils sont. Ils sont là. Ah! Voilà, ils sont ici. Donc on va mettre des moyens. Ils sont un peu plus grands. Alors ici, il va pas passer celui-ci. Hop, 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 hop. S'il te plaît. Ah, trop tard. Trop tard, trop tard. C'est pas bien grave. Je me perds un petit peu. Voilà. Donc c'était pas là. C'est là. Je voulais en placer deux gros. Ça va être possible, je pense. Ouais. J'aurais pu garder le petit. Vous allez voir, on va se mettre un bureau de construction ici à la place. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire des petites routes. Alors, rapido, parce que j'ai pas le temps de temps à perdre. Et au final, j'en perds un peu parce que c'est moche. Dire à ceux-là de construire en attendant. On a de l'argent, on peut se permettre. Allez, hop. Comme ça, on gagne un peu de temps. On va remettre quelques petites plantes tout du long pour montrer qu'ici, c'est bien la zone de construction. Ici, on va se mettre un ou deux pins. Voilà.
va s'acheter des véhicules. On va s'acheter un beau bus. Camion Ben, on va s'en acheter deux comme ça, voire trois même. En mort couverte, on va s'en acheter. On a quoi comme nouvelle remorque? Toujours celle-ci qui est très bien. Bah écoutez, on va prendre ceux-là, ils sont très bien, on va en acheter deux. On va s'acheter. Deux mélangeurs. Une excavatrice. Grue, je pense qu'on a assez. Ouais, on peut en reprendre une comme ça vite fait. On va s'acheter un petit bulldozer. Et si on a besoin, on va se laisser un emplacement. Maintenant, on va attribuer celui-ci à là, ça là, ça là. Composant mécanique, je l'ai mis où? Le composant mécanique ici, je pense. Travailleur ici. Et gravier, ben on va dire de prendre directement. Là, il commence à avoir du monde. Hein. On va lui dire de prendre ici. D'ailleurs, on va rectifier ça tout de suite. On va leur dire de prendre directement. Il est bon. Par contre, lui, il lui manque les planches, panneaux, etc. Je pense qu'il était associé à l'autre. Voilà. On va s'acheter un petit camion. En remorque ouverte. 7 tonnes c'est pas assez, mais par contre il roule vite. Alors remorque ouverte 8 tonnes, 10 tonnes. Mais écoutez, on va prendre du 10 tonnes. Et on va lui dire en attendant. Parce qu'il va avoir le temps. Tu vas à la gare de. Tu vas pas à la gare, tu vas à la première. Non, à la deuxième plutôt. Elle produit mieux celle-ci. Et tu vas ici. Tu vas me charger des briques. Tu attends d'être chargé. Tu me décharges ici. Tu attends d'être déchargé. Voilà. Et bien sûr, start. Voilà. Ici, on va s'acheter achat manuel de l'acier. Des panneaux. Ici, on va s'acheter du bois. Voilà. Comme ça, on est bon. Ok. Alors, les trolleybus. De toute façon, je risque un petit peu de partir à droite à gauche, surtout avec tout ce qu'il y a à faire. Donc on en avait mis un ici, un ici, un ici. J'aimerais bien en mettre... Alors, comment on va faire le circuit? Là, il va y avoir le quartier. On devrait être bon. Il en faudrait un ici. Ça serait bien d'en mettre un là. Il y a moyen de moyenner. Et on dérive légèrement l'électricité. Donc, hop. On va la dériver. Hop. On va la faire passer de ce côté-là au lieu de, du côté droit. Ici, on va casser vers là. Que là
On va mettre un trolleybus. Il y a vraiment moyen de faire un truc propre. Après, est-ce que l'électricité va passer? Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Hop. Ok. Par contre, ça, on va l'acheter. Voilà. Donc, on a un trolleybus ici. Ça fait ça. On peut faire plusieurs circuits dans la ville, et dont certains circuits feront des changements. Donc on en place un ici, j'en placerai bien un là. Alors, près du de l'autre. Ouais. On va en placer un là. Donc ça, on va supprimer. Oh, j'y arrive plus. Hop. Trolleybus. On place un ici. Comme ça, on commence à avoir un petit chemin. J'en placerai bien un vers ici. Mais ça risque d'être compliqué, hein, parce que là, c'est très très compact. J'aimerais en placer un ici. Alors, je vais en placer un obligé vers l'université. Ah, je le verrai bien ici. Est-ce qu'il passe? Peut-être qu'il va falloir refaire de toute manière la route. Hop, voilà. Donc on aura un trolleybus ici. Un trolleybus vers là, ça serait pas mal. On va faire plusieurs circuits, hein, vous inquiétez pas. J'en mettrai bien un. Ça va être compliqué. Ici, extrêmement compliqué. Là, il y a moyen d'en placer un là. Je pense qu'on va en placer un ici. Faudrait détruire ça. Ouais. Mais au final, on va faire des travaux un peu à droite à gauche. Hein. Hop. Alors, je cherche un peu tous mes trucs. Ça, on enlève. Allez. On va laisser tourner un tout petit peu. Donc, est-ce qu'il passe? Oui, il passe. Quel? Un trolleybus ici. Par contre, là, pour pas que j'ai de soucis, je vais le construire. Parce qu'autrement mes véhicules pourront pas passer, etc. Et ça va être problématique pour mes usines. Hop, comme ça on n'en parle plus.
On va remettre les structures piétonnes. J'avais mis un terrain de tennis ici, je pense que c'était moins important quand même pour la population, parce que j'en manque quand même des terrains de tennis et des terrains de foot, des équipements, voilà, donc on va essayer de... Ah ouais, mais c'était la ligne qui me posait problème. Je pourrais le coller quelque part. C'est vrai que ici c'est assez problématique. Alors, je pourrais la poser ici. Ici, ça je supprime. Là par contre, on va faire une voie. Non, ça va pas être possible, je pense pas. Est-ce qu'il y a moyen de filouter? Si par exemple je fais ça. Oui, magnifique. Faut prendre son temps dans ce jeu. Hop. Structure un tout petit peu. Ici, on va partir soit vers là, soit vers là. Ici, ouais, bon, là, ça fait beaucoup de changements. C'était compliqué, mais je peux pas faire forcément mieux. Ou il faudrait que je détruise un petit peu tout. Après, ça va être un peu. Peu des soucis, ça par contre je vais construire pour que les travailleurs puissent gagner du temps. Voilà. Je dépense, hein, là. Je dépense énormément. Il va falloir que je mette un peu de sous de côté parce que ça va pas durer longtemps, hein, une fois que j'aurai plus de pétrole en stock. Ça risque de faire un peu plus mal. Hop, ça construit tranquillou. Ok. Aussi, on va lui dire de construire. Ok, donc on a un trolleybus ici, un trolleybus là-bas. Ça va faire une boucle. Il m'en faudrait un ici, ça serait pas mal. Alors, j'en ai un là. On pourrait en placer un ici. Ça me semble judicieux. Donc, on met ça. Pourquoi je peux pas le détruire là? Oh. Ok, ça y est. Hop, on accélère un tout petit peu. On va retravailler le coin ici. Voilà. Donc, un trolleybus ici. Parfait, comme ça je détruis pas le petit parking que j'avais fait. Pas mal comme ça. Pareil ici, on va le construire.
Hop, la petite route cachée. Parfait, donc on a deux trolleybus à ce niveau-là pour les usines. Eux, s'ils veulent prendre le trolleybus, ils pourront aller ici et repartir vers là. Et on va se faire un petit trolleybus à ce niveau-là vers l'hôpital. Ça serait pas mal. Alors. Ça serait pas mal, mais ça serait très compliqué. Alors, comment je vais faire? Ah, ici, ça serait bien. Laissez-moi réfléchir. Alors, je vois pas trop où on pourrait le mettre. Donc un là, un là, un là, une boucle. Peut-être vers ce niveau-là. C'est pareil, là, j'ai l'électricité, ça va gêner. Ça va gêner. J'aimerais en mettre un vers la gare. Vers ici, ça serait peut-être possible, hein. Passer un vers là. Ouais. Le seul endroit possible où je vois un trolleybus, ça serait ici. Et en plus, ça serait pas mal parce que ça permettrait d'accéder à l'hôpital et à la gare. Bon, on va essayer. On va essayer, donc tout ça on enlève, ici on enlève. Voilà, on va mettre le trolleybus. Alors bien sûr, ça va me gêner ça. Enlever un peu ça là. Vu un emplacement là qui était pas franchement dégueulasse. Je vais arriver à le choper. Allez. Juste là. Voilà. Ok. Alors, du coup, cette voie-là. Comment ça, tu veux pas? Tu montes sur le chemin. Ça, on va construire. Ça, on va construire. Ça aussi. Voilà. Alors. C'est pas top, mais ça fait le taf. On va remettre un peu de végétation. J'ai mis des pins. C'est cool, on a à peu près une boucle vers le nord, on a une boucle ici.
Oui, on a une boucle vers ici. Ici, on a presque une. Et ici, on a une presque une autre boucle. Il en faudrait un. J'en mettrais bien un ici, en fait. Un. Ici, ça serait vraiment bien. Est-ce qu'il y aurait de la place à en placer un ici? Ce serait juste, hein. Ouais, ce serait très très juste. Je pense pas que j'ai la place. Sinon, il y a ici, mais du coup, je vais devoir détruire un truc. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça, on verra par la suite. Donc, on a tout ça à construire. Ici aussi. Et bien évidemment, il faut que je construise un dépôt de trolleybus. Le dépôt, on va pas s'embêter. Je le mettrai bien à ce niveau-là. Parce que là, il y aura la voie du trolleybus. Je le mettrai bien, ouais. Soit ici. Il me semble qu'il faut qu'il y ait du monde qui travaille. Je suis pas sûr. Non, c'est juste un dépôt. D'accord. Bon, ben on va le mettre ici, dans cette zone-là. Ça, il gênera pas. Et ça me semble plutôt logique, en quelque sorte. Donc, on a dit vers ici. Si on a besoin d'une excavatrice, hop, autant payer. Je vais essayer de le faire plus ou moins droit. Ça me semble bien. Je l'ai acheté, bien évidemment, parce que j'ai pas fait gaffe, mais c'est pas bien grave. Pour l'instant, en tout cas. Alors, on va mettre ici, vu que c'est pas très joli, hein, on va mettre ici un dealer car pour les voitures, parce qu'il n'y en a pas encore. Ça va se passer dans équipement. Ah ben mince, ah si, car dealer, voilà. Bien ici avec un stockage. Alors, stockage pour voiture. On va mettre en small. C'est pas mal. Je le mets ici. Est-ce que ça gêne pour faire une route directe? Oui, ça va gêner. On peut pas le mettre dans ce sens. Après, est-ce que j'en ai vraiment
besoin. Je pense pas. Je pense qu'on va laisser que le car dealer pour l'instant. J'aurais besoin du coup ici de grands bâtiments. On va partir plus sur. Là, on était parti sur des petits bâtiments. Ici, on va faire un peu plus grand. Pourquoi pas? Ah, mais non, mais après, j'ai mes usines à côté. Ça va demander beaucoup de population. Sinon, j'aurais bien fait. Pas une université. J'aurais bien fait une télévision ou une radio. Alors je cherche où elle est. Elle est là. Hôpital, maison de télévision. Oh, ça fait un peu grand quand même. Ça me fait ramer un peu le jeu en plus. Ça me fait carrément ramer. Ça va mieux. Non, pas vers ici. Je la mettrai vers ici. Ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être pas mal. Là, on aurait le siège, là-bas la télévision et dans le prochain la radio. Pourquoi pas? Et la radio, tiens. La radio, combien elle fait d'espace? Radio diffusion. Elle est un peu plus petite. Moi, je partirais peut-être sur une radio. Ouais. Belle petite radio à ce niveau-là. Avec un peu d'espace. On va partir sur une radio, on va mettre une radio en place. Hop, ils font le terrain, nickel. Radio de télévision ici. On va mettre des gros parkings devant. Alors peut-être que je l'ai un peu trop rapproché. On va l'éloigner un tout petit peu au centre. Voilà. Allez, on se dépêche, s'il te plaît. Non, ça veut pas. Bon, bah écoutez, on va faire avec des roubles. Est-ce que j'ai la place pour mes parkings en face? Oui. Je verrais bien un parking ici et un parking là si tu me donnes assez d'argent. Enfin d'argent. C'est surtout mes pelleteuses là qui sont un peu en. Un peu partout. Hop. Voilà, deux beaux parkings. On mettrait accessoirement une jolie étoile ici. C'est pas mal. Et ici, tout ça, là, ça va être zone résidentielle. Donc, on va tirer une route.
route, voilà. Pourquoi pas? Bon, ici, ça fait un peu cafouillis. Cette route-là, on va la remettre un peu plus droite. Voilà, pour faire une belle intersection. Ici, c'est un parking, donc on va faire vraiment l'angle. Ici, j'aime pas trop. C'est pas. Après, il n'y a pas trop les bus qui passent. Si. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Ici, on pourra rajouter au pire des cas diverses choses. Bon, ils se mettent à construire certains bâtiments, tant mieux. Je vais leur dire de construire les arrêts de trolleybus ici. Ça va nous coûter un pognon de dingue. Ça, par contre, hop, on va attendre la radiodiffusion. Les parkings, on s'en fout, ils peuvent les faire. La route continue ici, ok, c'est impeccable, c'est parfait ça. On a des petits messages, ok. Bah écoutez, pour cet épisode, c'est déjà pas mal. On n'a pas fait grand-chose, hein. On a juste mis en place les trolleybus, mais bon. C'était à faire. Du coup, il y aura une radio à Vanillagrad. Prochain épisode, on continue, du coup, à mettre en place le quartier ici. Au niveau infrastructure, on n'est pas trop mal. Il va falloir régler encore 2-3 petits trucs. Et puis après, on attaque le gros du travail, hein, la construction, avec tout ce que ça engendre, c'est-à-dire les ressources, etc. On a déjà mis un peu de briques de côté. Je pense que je vais rajouter un camion pour alimenter en briques, parce que c'est un peu long. Sinon, on n'est pas si mal, on n'a pas de soucis de train à ce que je vois. Ah non, pardon, j'ai parlé un peu trop vite, à moins que. Alors, c'est pas normal. Pourquoi tu prends pas vers là, là? Tu pourrais en plus. Pourquoi c'est bloqué vers là? Ah non, pardon, il y a déjà deux trains. Donc, ça veut dire que ça fonctionne bien. Il y a déjà deux trains qui remplissent. Alors ça met un temps de fou, pourquoi? Parce qu'ici il n'y a plus de pétrole. Pour celui-ci, et du coup. Ouais, ceux-là sont préservés parce qu'ils sont réservés à la station de raffinage. Qui est ici. Ça augmente, hein. Pétrole, on commence à être essence, pardon, on commence à être bien et niveau bitume aussi, donc ça c'est cool. Et donc eux doivent attendre d'être remplis, ouais. J'aurais dû peut-être relier directement à celui-ci, parce que du coup, ceux-là sont pleins. Ça augmente plus, ça doit être celui-ci alors. Voilà. Donc là, c'est très simple. J'ai dit à ma pompe d'envoyer tout ce qui est produit directement au train. Et puis la raffinerie va se débrouiller avec les 4000 tonnes de pétrole brut. Je pense qu'elle a largement assez. Produit combien par jour? Ah oui, quand même. J'ai des petits poppers un peu partout. Ok, et du coup, voilà, ça augmente tranquillou. Et une
Une fois que qu'une des voies sera disponible, un train pourra partir dessus. Je pense que ça va être le cas. Donc c'est nickel, ça fonctionne. Eh bien écoutez, on va se laisser sur cet épisode-là. Je pense qu'on en a fait déjà pas mal. Bon, ça avance lentement, hein, ça a avancé lentement, mais c'est normal. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, et à commenter, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, c'était Vanilla, on se quitte là-dessus. Allez, bye bye!